Michael Douglas et sa femme mettent sous la pression à leurs enfants. Si la famille semble unie face à tout, la réalité serait tout autre. Beaucoup se demandent pourquoi leurs enfants, qui sont devenus des adultes, continuent de voyager autant avec leurs parents, et une journaliste a donc décidé de poser la question à Michael. Une question qu'il a fortement mis dans l'embarras après avoir hésité sur sa réponse, il a fini par avouer recourir à des pratiques discutables afin que ses enfants acceptent de voyager avec lui et sa femme. Mais l'histoire est encore plus profonde que ça. Depuis qu'ils ont officialisé leur couple il y a des années, Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones ont été la cible de nombreuses critiques en raison de leur différence d'âge de 25 ans. La mère de famille a énormément été impactée puisque la toile ne comprenait pas son choix de vie et encore moins le fait d'exposer son mari qui vieillit. Catherine a donc pris les choses en main sans savoir que ses propres enfants allaient tout faire capoter car ils vieillissent et refusent d'obéir à leur mère. Face aux critiques, Catherine apparaissait bien moins avec son mari et elle mettait leurs enfants en avant, sauf que vivre dans le mensonge n'était pas la solution. Elle a donc avoué la raison pour laquelle elle est avec Michael, un homme bien plus âgé qu'elle. Dans le passé, Michael blaguait à propos de leur grosse différence d'âge, mais il a compris que mettre en avant cet écart ne pouvait que finir par les éloigner. Et il avait bien raison de penser à ça, car la réalité l'a vite rattrapé. Dans une interview pour Entertainment Tonight, il lâche prise. « Nous avons cette blague qui devient moins drôle à mesure que je vieillis. Je dis que je me vois dans 20 ans de plus, et je suis dans mon fauteuil roulant, et elle me pousse, et je lui dis « Où allons-nous ? Où allons-nous ?» Sauf que tout ça impactait leurs enfants, y compris concernant leur voyage en famille. « C'est un plaisir surtout quand on ne les force pas. Ils ne veulent plus trop voyager avec nous, mais nous faisons de bons voyages, nous les séduisons avec de bons endroits où aller. » Le couple ne s'est jamais caché qu'ils adorent parcourir le monde. Les deux acteurs ont même une liste comportant tous les endroits qu'ils veulent visiter afin de séduire leurs enfants et les encourager à partir avec eux. Sauf que l'argent et le voyage ne changent pas tout et la famille souffrait d'une situation très délicate. Longtemps, des personnes accusaient Catherine de profiter de la fortune de son mari afin de pouvoir vivre comme elle le désire et toujours gagner en popularité. Fatiguée d'être la cible des critiques, la jolie brune avait décidé de faire face à ses « haters » en complimentant son mari à chaque interview, montrer et assumer tout l'amour qu'elle lui porte de la plus belle des manières. Même si les dernières apparitions de l'acteur ne sont pas glorieuses, il peut compter sur le soutien et l'amour de sa femme au quotidien qui a su faire taire les mauvaises langues et prouver au monde à quel point leur couple est solide aujourd'hui. Malgré les critiques du passé, elle fait tout pour accompagner son mari à chaque événement et pour éviter que la toile pense qu'elle a quelque chose à cacher.